C'était les 7 personnes qu'on pouvait soulever. Quel soit le modèle de voiture, c'était ces voitures françaises qui existaient. Donc c'est bien de réunir tout ce patrimoine pour que les gens retrouvent, certaines personnes retrouvent les gens, les choses qu'elles n'ont pas connues. C'est là. Mama Beati Tino, Mama Beati Tinda de Numele, Mama Beati Tino, Mama Beati Tinda de Numele. Nous avons la carte de 1935. Vous voyez là, une composition en dessin, en pensant que des compositions en dessin. Je peux aussi vous montrer un livre, vos parents ont certainement, c'est une méthode qu'on appelle la méthode Gabi Gillard, quand même j'ai appris à lire cette méthode. Vous voyez, il y avait la consonne, les voyelles, il y avait les consonnes, et il y avait la correspondance, la consonne, les voyelles, et après on avait, et une fois qu'on avait acquis tout ça, c'était la première phrase. La famille est sur le bois, on se la coupe. Et où est ce titre-là? Où est ce titre-là? Oui. Mon cas, c'est le moins. J'en ai au moins 10 après. Mais ça, ça fait au moins. Allez, deux là. Merci, Denis. Mais tout est la casse. C'est la casse. C'est la ça c'est vrai. Eh bien par ici il y avait l'atelier d'Oulda, il y avait l'usine d'Arboutier. Oui, qui marchait. Au moment de la récolte. Autour des mouvements experts. Il y avait des cordonniers. Il y avait des coiffeurs, oui. On avait tout ça par ici. Il y avait des bananiers par ici, des cacao, il y avait tout par ici, que j'habitais là. Et là, par là, c'est un champ de bananes. Au bloc, il y avait des boulangeries, il y avait la limonaderie, il y avait Monsieur Morvan, il y avait Monsieur Clermontville. Il y avait toute la nuit, il y avait des gens qui faisaient à manger, poisson, fruits, du pain, tout ça. Il y avait un mouvement, surtout rue Aspagne, il y avait un mouvement toute la nuit. Marchand de poisson, fruits, pain, marchand toute la nuit. Bien expliqué, il y avait moi, mais il n'y avait pas les dames qui étaient debout. Ah non, oui, ça c'est loin. Là. Il y avait la limonaderie, il y avait Monsieur Morvan, Clermontville. Clermontville, et il y avait encore Monsieur Tite, un peu plus haut. Il y avait Monsieur Tite qui faisait la limonade. Oui, la limonade. Oui. C'était quoi le comme poste? Limonade? Annie. On a fait ça au bois pour Gazès. Non, il y avait de bonnes choses, on était malheureux, on vivait. Comment tu l'aimes? A tout moins, vivez, déballez, mangez, marinez là. A tout vivez, non, déballez, mangez, marinez là. A tout vivez, la violence, vous voulez, va tout vivez.
À l'époque, tout le bord de mes carénages était des chantiers navals, des chantiers de réparation de bateaux, des chantiers de fabrication, des chantiers de rénovation. Et on tenait également le boutique, pas une service, mais des boutiques réellement qui étaient dans le temps. On tenait aussi l'usine d'arboussier qui était à fonctionner. Elle avait ses charrettes à Befla qui étaient dans la Rila, ses voitures à Sirou, là, chez Sirou, je vais chez Mélas, on tenait ça. On tenait des travailleurs qui travaillaient dans l'usine, après l'usine à fonctionner. On tenait des chalands qui achetaient à l'époque quand, parce qu'on n'avait pas de voiture à l'époque, on n'avait pas de camion, on tenait une charrette, on tenait des chalands qui achetaient quand de l'usine, depuis l'usine Beauport à Port-Louis, Bout-Tiron, à Petit Canal. Où tu as mis la lézarde à côté là, et de la chaîne comme là, pas en mer, hein, et avec des remorqueurs et tout, pour tu justement ramener ça d'Arboussier pour l'usine à tourner. Hein. Où tu as mis également des, à côté de l'usine d'Arboussier, le petit commerce qui a fonctionné, hein, de jour comme de nuit, hein, à Gramaché. Tu as mis envie, vraiment une activité, envie très intéressante. Où tu as mis un grand appointement là, qui est à Siro là, parce que les bateaux ne prennent Siro pour venir en Europe, mais là, c'est en Europe. Ça à celui qui est là, où tu as mis des barges qui a transporté la marchandise vers qui dans la les marchandises vers les Saintes, Marie-Garlande, Désirade, hein, au départ de Pointe-à-Pitre à la voile et à la rame. Pourquoi on rame sur un bateau là, bateau en construit. Et à l'époque, c'était ça, c'était voile et rame qui achetaient les marchandises. C'était quand même quelque chose, c'était vraiment autre chose qu'à présent. À présent, tu étais motorisé, tu sais, ça allait vite, ça était un net de conformité, alors qu'avant, c'était une journée, deux jours, tu faisais travailler là. Mais par contre, tu es une plus monde qui a travaillé. Parce qu'il y a le chômage, ouais, parce que, par exemple, couper, par exemple, fabriquer un bateau comme ça à présent, il a fabriqué tout seul. Et alors qu'à l'époque, il faut peut-être deux, trois mondes qui fabriquaient ça. Donc, tu as une activité, tu as une vie, tu as une convivialité qui était vraiment très intéressante et qu'on passe tout actuellement. C'est un peu dommage parce que quelque part, si vous êtes bien, c'est éviter que nous pêchions vrai encore. Et c'est vraiment dommage parce que quand on voit que ni partie des quand c'est existé là, qui est vraiment déplorable pour nous, nous pas tenir ça. La thématique de mon intervention sera d'ailleurs courte et plus une réflexion à voix haute sur la mémoire et sur l'histoire qu'une réflexion approfondie universitaire. Mémoire et histoire. Je commencerai en disant, en donnant d'abord un dicton. Battre l'esclave, c'est le nourrir. Dicton des colonies françaises du XVIIIe siècle, non retenu par la mémoire mais fixé par l'histoire. L'intervention étant la première du cycle de contributions fort passionnant, s'intègre dans une thématique dominante, patrimoine et création. Il m'appartient cependant d'ouvrir le bal pour, quand il y a dit la case, si bête d'ouvrir bête le clair, au moins faire mon neuf pour qu'elle boîte derrière, pas boîte le bois. Donc, d'éclairer un petit peu les éléments du débat et la problématique de la réflexion. Pour dire vrai et faire œuvre utile, l'une des premières nécessités est de s'entendre sur les termes et les concepts qui les sous-tendent. Cependant, les deux termes du diptyque de départ, mémoire et histoire, proposés à notre réflexion, si elle se veut pertinente, est en forme pédagogique, doit s'ouvrir à des termes connexes qui nous permettront par comparaison d'affiner notre réflexion. Quatre termes clés donc, à part mémoire et histoire, passé, mémoire, histoire, patrimoine. Une définition simple de ces quatre termes. Passé, nom masculin, de le grand Larousse, signifie le temps écoulé, la vie écoulée antérieurement à un présent donné. Mémoire, nom féminin, souvenir que l'on garde de quelqu'un, de quelque chose, ce qui reste ou restera dans l'esprit des hommes. Histoire, ici deux définitions pour doivent retenir notre attention.
La première, relation des faits, des événements passés concernant la vie de l'humanité, d'une société, d'une personne. Ensuite, science qui étudie le passé de l'humanité et son évolution. Enfin, dernier élément, patrimoine qui vient du latin patrimonium, ce qui vient du père. Mais par un curieux et fondamental retournement dialectique, ce qui vient du père n'existe et ne prend de, et n'existe du moins que par le sens que lui donne le fils, réalisant ainsi la filiation entre les générations et arbitrant aujourd'hui la conservation, la destruction des valeurs ou des objets qui soutiennent la nécessaire démarche de mémoire.